Mes salutations à toi, c'est l'apaisé. Bienvenue dans cette hypnose pour dormir. Aujourd'hui, je te propose un voyage en 360 degrés, ce qui veut dire que le son se baladera de droite à gauche dans tes oreilles. Alors, si tu le veux, si tu le peux, tu peux mettre un casque sur tes oreilles ou des oreillettes, c'est comme tu le veux. Donc, un voyage en 360 degrés pour dormir en Éden. Et bien évidemment, tu risques de ressentir de l'ASMR. Oui, dans le jardin paradisiaque. Tu vas voir, ta nuit sera douce et surtout, ton sommeil sera réparateur avec cette hypnose. Avant de t'endormir, bien entendu, si tu veux garder le contact avec moi, abonne-toi, mets la petite cloche hypnotique et si cette hypnose te plaît, pense au pouce bleu du bonheur pour soutenir mon travail. Allez, très bon voyage et merci. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi aussi simplement qu'il est possible de se préparer. Installe-toi confortablement. Trouve une position adéquate. Le voyage va commencer. Sensoriel, mais bien plus que cela. Bien plus que cela. Bien plus que cela. Je te propose un voyage dans un endroit secret, dans un endroit mythologique, un endroit maintes fois fantasmé, l'endroit qui se prénomme Éden. Le fameux jardin secret, le fameux jardin paradisiaque, afin que tu t'y sentes bien, afin que tu sois transporté dans cette bulle. Que tu puisses ressentir de l'ASMR, ou du moins que tu puisses ressentir des déclencheurs, du chuchotement et bien évidemment de la voix basse, douce basse comme ceci, à la limite, dans la limite. Ce jardin magnifique, ce jardin propice à toute belle chose, toute création, des fruits à profusion, emplis de vitalité. D'autres racontent aussi que l'homme et la femme n'y sont jamais entrés. Mais un détail, ou plutôt plusieurs détails, semble lier ces histoires. Ce lieu était fantastique. Ce lieu était propice à la création. Ce lieu était un véritable havre de paix où chaque être vivant était à l'abri.
où la température était parfaite, printanière, avec une légère brise qui nous enveloppait et nous rafraîchissait un tout petit peu, juste le peu qu'il fallait, juste ce qu'il fallait. Tout est bon et tout est parfait. Car toi aussi, si tu fermes les yeux et que tu m'écoutes, eh bien, au-delà de la SMR, eh bien, tu pourrais voyager aussi simplement que ça, en imaginant cet Éden à ta façon, en imaginant l'herbe, l'air. Faire secouer lentement par ces petites brises, ce vent très agréable, voir ces arbres autour de toi, entendre ces oiseaux chanter, tous ces êtres vivants qui t'entourent, de majestueux lions, de belles biches, des petits lapins courant vers leur terrier. Tous ces êtres vivants sont là toutes et tous ensemble, ensemble, vivant en parfaite harmonie, se délectant des fruits de ce jardin, se délectant tout simplement des plaisirs de la vie, des plaisirs. Des êtres qui ont compris que leur existence en Éden, sur cette terre, cette existence finalement, n'était là que pour faire en sorte qu'ils apprennent, qu'ils vivent des expériences en ce jardin, pour que tu vives des expériences, toi aussi. Oh, ce jardin imaginaire, ce jardin qui prend vie de plus en plus en toi, en toi. Sens combien cette tranquillité, cet apaisement, sens combien tout ça est entré en toi, sens combien tout cela a été facile, sens combien c'est déjà en toi. Et oui, tout ceci, toutes ces manières d'être, cette manière de vouloir expérimenter, cette manière d'être apaisé, cette manière de respirer, 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 respirer lentement, profondément, est naturel, et c'est ça qui est magnifique, cet Éden, ce jardin, cette beauté est en toi. Tu es créatrice, créateur de tout ce monde imaginaire, ce magnifique Éden, de ces arbres, ces créatures qui t'entourent, de tout ce savoir universel. Je te conseille, dans cet endroit, de tout prendre, de prendre tout
de prendre l'expérience, de prendre tout simplement le calme et l'apaisement, afin que tu puisses l'amener jour après jour dans ta vie en tant que personne consciente, en tant que personne vivante sur cette terre. Cette partie d'Éden prend-la et amène-la tout autour de toi. Emmène-la tout autour de toi. Tout ne sera pas rose, certes, mais l'Éden sera bien là. L'Éden sera là. L'Éden sera ta force, cette force intérieure, ton pouvoir d'imagination, cette croyance, cette foi interne, celle qui te permet de te relever, celle qui te permet d'être bien dans les situations les plus sombres, car tu es la lumière. Car tu as la lumière, ainsi tu es. Tu peux croire en ce que tu souhaites, en tout ce que tu souhaites, tout ce que tu souhaites. Je veux simplement une chose, que tu prennes conscience, que tu prennes conscience que tu es un être. Un être exceptionnel, et j'aimerais que Dieu emmène avec toi toutes ces belles images. J'aimerais que tu emmènes avec toi tous ces beaux discours, toutes ces belles phrases, toutes ces fleurs autour de toi, tous ces arbres pleins de vie. J'aimerais que tu emmènes tout ça avec toi. En toi, car tout ceci t'appartient, tout ceci est à toi. Comme je te l'ai dit, prends tout ce dont tu as besoin. Et si un jour tu te mets à appréhender les choses, eh bien reviens en Éden, reviens me voir et continue à prendre encore et encore, parce qu'ici, toute chose positive, toute chose, toute énergie est infinie. Il y en aura toujours pour toi. Toujours pour toi. Parce que c'est ainsi. L'énergie se renouvelle encore et encore. Encore et encore. Et vu que tu es un être toi-même, l'énergie, eh bien l'énergie plus l'énergie, c'est une explosion d'énergie, encore plus d'énergie. C'est ça qui est fantastique. Et si un jour tu croises d'autres personnes qui ont cette énergie, eh bien tu sentiras que ça vibre en toi. Tu sentiras que tu es en phase. Tu sentiras que tu apprends que wow, quelque chose de formidable est en train d'arriver. Une connexion, invisible peut-être, mais tellement ressentie. Ce sentiment de bien-être, quand tu es bien avec quelqu'un, en parfaite harmonie. Peut-être un homme, peut-être une femme, peut-être même un animal, on ne sait pas, c'est ça qui est fantastique. Tout être vivant a quelque chose à partager avec toi. Et cet Éden, ce formidable Éden, est là pour ça, pour aller à la rencontre de toutes ces personnes, tous ces êtres d'exception dont tu fais partie. La réunion des êtres exceptionnels. Il est temps pour moi de te dire une chose, que nos chemins doivent se séparer, mais que je te le promets, oui, je te le promets, je reviendrai.
merci du fond du cœur pour ce que tu es.